2022. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous suivre. Le dernier numéro de la semaine. Et vous le savez, le sujet, c'est le Rwanda. Le sujet, c'est le roi belge. On en parle tout à l'heure. Le roi belge, maintenant, au moment où nous vous parlons, en fait, au moment où l'émission est tournée, puisque l'émission va être diffusée plus tard, le roi a pris part à l'avion, dans l'avion où Lumumba était transporté. Et je crois qu'il est même là où l'esprit où l'âme de Lumumba avait quitté les corps, c'est dans les Katanga. Et donc, il va faire un discours à l'université, à l'INILU. Encore là aussi, il faut dire, pas de rendez-vous pour recevoir les opposants, comme à Kinshasa, il ne l'a pas fait. Et là non plus, pourquoi? C'est des questions que le Congolais continue à se poser. Et la bourde, je vais dire ça, la grande bourde de Kofi Olomide, qui pense, pour lui, le Rwanda doit dialoguer avec le Congo. Il est pour un dialogue. Au moment où le gouvernement a déjà traité, identifié que le M23 n'était pas un groupe rebelle, mais plutôt un groupe terroriste, et que l'option de dialogue était en train finalement d'être vidée, Kofi Olomide, lui, il estime qu'il faut finalement un dialogue. Et je me pose la question, si les combattants n'avaient-ils pas raison d'interdire des concerts de certains musiciens? Je ne voudrais pas aller plus loin que ça. Je reçois trois invités. Le premier, il s'est un habitué, hein, donc ce sera la quatrième ou la cinquième fois qu'il participe à cette émission, journaliste et puis avocat maintenant, il n'est plus journaliste, mais maintenant avocat, Maître Freddy Mwamba, il est cadre des FDCA. Avec lui, on va parler de cette question du Rwanda, mais aussi du roi belge. Monsieur Gauthier Sey, qui est journaliste, qui nous fait l'honneur pour la première fois de répondre à toutes nos questions. Ce sera un grand honneur de le recevoir. Et monsieur José Kaniki, qui est un cadre et porte-parole de l'ACP. Alors, on a écrit « au cadre ».« Au cadre ». Bon, les politiciens congolais avec leur titre, c'est quand même assez compliqué. Et donc, on a deux politiciens et puis un journaliste. On retiendra cela. Monsieur José Kaniki, comment allez-vous? Ça va bien. Merci beaucoup, très cher Christian Bossembe. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Vous savez, j'ai un mot pour cette grande émission, grande tribune, qui fait déjà des vagues. Et voilà, je suis très honoré de répondre à votre invitation. Merci. C'est le parti de M. Ngobila. Exactement. Ouais. Nous sommes ACP, l'Alliance de Congolais Progressistes, parti cher à M. le gouverneur Gentini Ngobila Mbaka d'ailleurs. Pour la petite histoire, nous avons eu affaire déjà à la sortie officielle, c'était le samedi passé. Vous savez, vous êtes un grand journaliste de ces pays. Eh bien, les Stades des Martyrs avaient refoulé du monde parce que les Quinois et Quinoises ont accepté d'accompagner, bien sûr. C'était des adhérents ou c'était des adhérents ou des curieux venus juste voir comment ça se passe? Vous savez, avant cet événement, nous avons eu 10 mois pour nous préparer. Et dans ces 10 mois-là, il y avait presque tout le jour au niveau du siège de l'ACP sur 10e rue, les adhésions massives. Et c'est clair que certes, pas tout le monde, mais la quasi-majorité sont les adhérents aujourd'hui de l'ACP. Généralement, quand les gens viennent dans les partis, c'est eux qui apportent de l'argent. On a comme l'impression, selon certaines rumeurs, c'est vous qui donnez de l'argent aux gens qui viennent dans votre parti. Encore une fausseté. Vous savez, nous sommes dans un pays où il y a ce genre de polémiques, où il y a ce genre de rumeurs. C'est normal. D'ailleurs, nous sommes déjà habitués à ce genre de choses. Mais ce qui est sûr, moi, José Kaniki, lorsque j'ai décidé d'adhérer à l'ACP, j'ai payé ma carte. Okay. Et j'ai payé ma carte, que je vous donne le montant ou bien le prix. Allez-y. J'ai payer ma carte à 100 dollars. Wow. Je vous l'ai dit. Et vous avez, alors, votre carte est plus chère même que la carte de parti, républicain ou même des démocrates. Mais 100 dollars, c'est quand même beaucoup d'argent. Un parti sérieux doit s'organiser. Ouais. Doit s'organiser. Et voilà pourquoi, lorsque vous voulez adhérer, vous devez avoir d'abord, cette volonté, bien sûr, au niveau de haut cadre. Mais les cartes sont catégorisées, disons. Il y a les cartes de 5 000 francs, pour tous les membres entre guillemets ordinaires, il y a aussi les cartes du cadre, il y a aussi les cartes de haut cadre. Ah, donc chez vous, nous, dans votre organisons. Partie, on intègre directement au plus haut niveau en achetant une carte de 100 dollars. Donc, même un bougre peut acheter une carte à 100 dollars et devient haut cadre. Nous disons ceci, c'est pas question de bougre. Okay. Ici, vous devez d'abord avoir cette volonté de pouvoir faire bien les choses. Okay. Et dans un parti qui est organisé ou bien qui veut faire la différence, eh bien, nous devons apporter
des innovations. Très bien. Vous êtes de gauche ou de droite? Nous sommes plutôt de droite. Très bien. Messieurs et dames, là, c'était le politicien au cadre et porte-parole de l'ACP, M. José Kaniki. On va écouter un autre politicien. Alors, il faut t'habituer, maintenant tu es politique, donc on parlera de ça. Momba, comment allez-vous? Oui, je me porte à merveille et j'en profite pour saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent partout à travers le monde. Il faut dire que cette émission est très suivie. Hein. Au Komoli, à votre belé, dans l'émission Nayo. Bon, en tout cas, félicitations pour cette grande tribune. Ouais. Comme vous le savez bien, on dit souvent de la discussion naît l'éclaircie. J'espère que nous allons avoir affaire à un débat viscéralement jouissif, un débat profondément qui va susciter profondément les désirs intellectuels dans les chefs d'essai qui vont nous suivre et que les téléspectateurs vont retenir quelque chose d'important. Là, j'aimerais saluer aussi le président statutaire de notre méga regroupement, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, et je les remercie pour l'encadrement. Très bien. Et vous allez rencontrer aujourd'hui, pour la première fois, Gauthier Sey. Comment allez-vous, cher confrère? Merci beaucoup, cher ami. Je me porte très bien. Merci pour l'invitation. Merci de m'avoir fait cet honneur de participer à cette grande tribune. C'est un honneur pour moi aussi. Je salue mes co-débatteurs. Je salue aussi ceux qui suivent la grande tribune. Et je plaide pour un débat républicain. Je suis tenté de réagir par rapport aux propos de mon co-débatteur. Mais bon, je me dis que c'était son biscuit d'entrée. Et on va voir comment... Les politiciens n'ont pas droit au biscuit. Il n'y a que les journalistes. C'est vous qui avez droit. Pas les politiciens. Ici, je suis quand même... étonné d'écouter tout ce que je viens d'écouter de mon cher José Kaniki. Il me parle d'un parti qui s'est organisé 10 mois avant d'affronter les stades des Martyrs, mais c'est peu, 10 mois. Pour un parti qui se veut sérieux, 10 mois, c'est rien. Il faut d'abord commencer par former et encadrer les militants. Et vous n'avez qu'un seul siège à limiter sur 10e rue, si je ne me trompe pas. Et les autres, ils ont adhéré où? Ces gens qui ont rempli ces stades-là, ils ont adhéré où? Ils ont quitté les quatre coins de Kinshasa pour venir tous adhérer à limiter? Ça aussi, c'est un problème. Et de deux, nous avions vu des gens se battre avant et après la manifestation. D'autres se disputaient 20 000 francs, d'autres 15 000 francs. Et un parti ne s'annonce pas comme ça. Un parti commence, n'est-ce pas, à se former, n'est-ce pas, commence par la base. Mais vous n'avez pas de base. Et regarde, là, vous aviez été en difficulté de répondre à la question de Bossembe quand il vous dit, avec 100 dollars, vous devenez au cadre. Mais pour devenir au cadre, il faut passer par des échelons, il faut être formé, il faut être encadré. Et quelle est l'idéologie des ACP? C'est quoi la vision? Les gens sont venus au stade pour écouter quoi? C'était quoi la vision? Vous avez disposé des bus pour prendre des gens, vous aviez donné un peu de carburant, un peu d'eau, des polos, par-ci, par-là. Et ça, moi, je pense, et d'ailleurs, si réellement Ngoubla était sérieux, il devait d'abord commencer par démissionner du PPRD parce qu'il a été élu sur la liste PPRD. Et jusqu'à ce jour, cher Kaniki, le PPRD n'a jamais nommé un interfédéral de Kinshasa. C'est Ngobila qui est toujours interfédéral. Et là, il annonce un parti, et je vous annonce que c'est un parti créé à l'époque du ministre Lumanu, quand il était ministre de l'Intérieur. C'était un parti satellite du PPRD. Ça, je vous annonce. Je ne sais pas, il a racheté ou ce n'est qu'un bailleur de fonds. Ça, je ne sais pas. Mais là, au regard de tous ces éléments, et s'il faut adhérer dans un parti, je pense que l'ACP, ce n'est pas un parti sérieux. Déjà, voir comment est-ce que vous êtes en train, n'est-ce pas, de marcher sur les textes, de violer les dispositions qui font que, parce que la liste qu'il a proposée, c'était la liste PPRD, et vous vous amenez autorité morale d'un parti sans démissionner du PPRD, sans laisser les postes du PPRD, c'est quand même aberrant. Et je pense que là, il y a à boire et à manger. Alors, José Kaniki, vous avez la parole parce qu'on va clôturer cette petite incise. Tout en vous posant la question, est-ce que tous ceux qui étaient au stade de martyrs sont ceux qui viennent de partout à travers le pays? Puisque votre parti doit être un parti national. Exactement. Donc, est-ce qu'il y a des représentants? Est-ce qu'il y a eu un symposium qui a finalement fait, qui réunit ou qui fédère les ambitions, les idées de tout le monde? Est-ce qu'on peut retrouver tout ça? Merci beaucoup. Vous savez, lorsque nous lançons ces partis, nous ne disons pas que nous avons tout fait. Un parti se construit dans les temps et dans l'espace. C'est pour vous dire que lorsque mon cher compatriote se pose la question, ils ont adhéré où? Est-ce que c'est interdit aux militants, aux personnes volontaires venant de Maluku, venant de Maleka, venant de Selembao, de pouvoir atterrir au niveau du siège à la 10e rue? C'est interdit? Lorsque j'ai pris la parole au début de mon propos, j'ai clairement dit qu'il y avait des adhésions.
Merci. Est-ce interdit encore une fois que un haut cadre ou qu'un cadre ou bien ce travailleur-là qui a son petit salaire à la fin du mois puisse prendre à charge 2, 3 personnes, 5 personnes qui sont en difficulté en leur remettant le transport? Est-ce que c'est interdit à un politique d'être généreux? Je ne pense pas. Ici, l'essentiel, c'est quoi? C'est que ces partis commencent un parcours. On pouvait, il y a cela 10 mois, faire une sortie officielle à la va-vite. Au niveau du siège, nous avons organisé des événements, pas que l'adhésion. En dehors de Kinshasa, vous êtes encore implanté où? Mais nous sommes déjà en train de nous implanter à travers la République. Ah, monsieur le gouverneur, il y a eu une implantation au niveau de Goma. Il vient tout juste de l'Europe aussi pour implanter ses partis. Et c'est comme ça, ça va se construire dans les temps et dans l'espace. Nous ne sommes pas pressés. Déjà, pour une sortie officielle, vous avez vu ce qui a été fait. Nous disons ceci à mon très cher ami et compatriote Gauthier Seye, qu'il s'apaise. S'il a peur de l'ACP, eh bien, il verra ce que l'ACP fera. Il veut savoir votre idéologie et moi, je voudrais savoir l'emblème de votre parti. Nous disons ceci, M. Christian Bossembe. Notre idéologie, c'est un, de mettre le Congolais. Parce que la finalité de toute action politique, c'est quoi? C'est le bien-être du Congolais. Donc, l'homme congolais est au centre de tout. Ici, l'essentiel, c'est que amener ce peuple congolais vers l'avant. Voilà pourquoi, d'ailleurs, c'est les partis de l'Alliance congolais des progressistes. Très voilà. Bien. Alors, on va commencer ce débat maintenant. Le Rwanda, on en parlera. Mais moi, je commence avec vous, Freddy. Non, je préfère commencer avec les journalistes, parce que c'est celui qui a l'actualité. Vous êtes policier, vous allez réagir. Gauthier, en ce qui concerne le Rwanda, en ce qui concerne le roi belge, je voudrais mettre une incise, c'est Kofi Olomide. Kofi qui dit, pour lui, il est persuadé que le dialogue, ce serait la voie de sortie. Il est pour le dialogue avec le Rwanda. Il est prêt à dialoguer avec le Rwanda. Alors, je voudrais savoir, lui qui détient le passeport diplomatique, est-ce que dans ce propos, engage-t-il l'État tout entier? Est-ce qu'il engage la culture congolaise tout entière? Monsieur représente qui pour parler du dialogue? Merci beaucoup pour la question, cher Christian. Déjà ici, il faudrait dire que Kofi, il est frappé par le droit de réserve. D'autant plus qu'il a les passeports diplomatiques, il ne peut pas se permettre de parler des questions qui engagent l'État ou qui engagent les pays, parce que là, il est comme un membre, n'est-ce pas, de cet État. Et quand il doit parler, il doit n'est-ce pas, chercher à entrer en contact avec le ministre de la Culture ou avec, c'est pas moi, les conseillers. Puisqu'il est ambassadeur. Il est ambassadeur. Alors, donc il doit se réserver de donner des positions, de donner son opinion, parce qu'il peut aussi chambouder quelque chose. Mais pour la question du Rwanda, moi je pense que toute guerre finit toujours par le dialogue. Ça, c'est vrai. Et on peut dialoguer, mais entre-temps, on impose la loi de la force. Parce que ce qui se passe avec nos frères rwandais, c'est des trop. On n'a pas commencé à dialoguer aujourd'hui, ouais. Cher Christian Bossembe. C'est chaque jour que nous nous sommes toujours retrouvés tout autour de la table avec les Rwandais. Mais les amis continuent toujours. Ils continuent à frapper, ils continuent à tuer. Entre-temps, il y a nos frères, nos sœurs, nos mamans qui sont violées, nos frères qui sont tués. Et nos enfants qui ne savent pas aller à l'école parce qu'ils sont en train de s'aimer la terre. Et à ce stade, moi je pense qu'il est temps maintenant que la République, les gouvernements congolais puissent passer à la vitesse supérieure. Ouais. Il faut imposer maintenant la guerre aux Rwandais. Il faut imposer la guerre. Et entre-temps, d'un côté, on se bat. Prenez l'exemple de l'Ukraine et la Russie. Ils sont en train de se battre, mais de l'autre côté, oui, on est aussi. Tous les fronts sont ouverts. Sur tous les fronts. Et il faut la guerre diplomatique, la guerre des armes, parce que les Rwandais doivent maintenant savoir qu'ils ont affaire à une grande nation. Mais comment vous allez faire la guerre diplomatique, cher Gauthier, lorsque vous avez celui, le porteur de votre passeport diplomatique parle d'un dialogue? Voilà, j'en arrive. C'est là où je me dis, c'était quoi les critères pour que tous ces mondes-là puissent avoir les passeports diplomatiques, je ne sais pas. Et là, ça revient au pouvoir du chef de l'État qui a voulu qu'il soit ambassadeur. Mais je pense que Kofi, il est ce qu'il est. Et nous savions comment il se comporte. Et je l'appelle au droit de réserve parce que là, il engage l'État. Quand il se permet de donner des opinions comme
comme ça sur la place publique, il peut quelque part aussi dérouter nos vaillants héros qui sont au front. Et ici, il faut attendre. Et c'est là où j'accuse aussi les gouvernements. Je ne sais pas cette largesse ou ce silence ici qui frise un peu la complicité. C'est depuis 24, 48 heures passées que le général à l'Est, il a dénoncé qu'il y a 500 soldats rwandais habillés avec une nouvelle tenue. Et là, le porte-parole du gouvernement, il n'est dit mot. Les premiers ministres, il n'y a aucune réunion convoquée d'urgence pour que nous puissions établir sur cette question, voir comment il faut, n'est-ce pas, anticiper. Et là, nous sommes tous là dans la réaction. Et nous ne devons pas continuer à être toujours là dans la réaction. Et voilà pourquoi on est chaque jour surpris par des morts. Ils continuent à nous tuer. Non, il y a les Rwandais qui ont des MP3. Non, il y a parce que nous ne savions pas anticiper. On a cru qu'avoir un premier ministre jeune, on aura quelqu'un de dynamique qui est au front, qui est à l'écoute de toutes les questions, parce qu'il a tout autour de lui tous les services d'intelligence. On suppose qu'il est informé de toutes les questions qui se passent en République démocratique du Congo. Et pourquoi nous devions toujours être surpris par des événements? Ça, c'est aussi une faiblesse du gouvernement. Donc, alors, oui, pour chiter, cher Christian, ici, il est temps que nos soldats puissent maintenant mouiller les maillots. Et il faut que les gouvernements puissent les mettre dans des conditions favorables. Parce que je pense qu'une petite nation comme le Rwanda ne peut pas commencer à tout moment nous grimacer, à tout moment créer des catastrophes chez nous et nous les laisser entrer et sortir calmement. On a arrêté deux soldats rwandais. Et là, ils veulent jouer maintenant la diversion. Ils changent de tenue. Tout ça, c'est pour se créer une petite minorité, dire voilà la communauté internationale, voilà les Congo parce qu'ils sont majoritaires, ils veulent nous créer des problèmes, c'était pas nos soldats. Non, alors, tout Gauthier, ça, nous devons jouer à quand ça. Quand vous regardez cette image, ça vous dit quoi? Quand je regarde cette image, ça me révolte. Ouais. Je me dis ça, c'est la diversion de Kagame et ses soldats, parce que la tenue que nous avions vue chez les autres, c'était pas cette tenue. Apparemment, c'est une nouvelle tenue qui viennent apparemment de mettre sur pied. Il faut maintenant que les images que nous avions des anciens soldats rwandais, que nos diplomates, que l'ambassadeur Kofi, au lieu qu'ils se mettent à raconter sa vie, il est temps de prendre toutes ces images, les docteurs Mukwege et les autres diplomates, faire les fronts, rencontrer les grandes personnalités, rencontrer, n'est-ce pas, les grands conseils qui décident sur le monde, afin, n'est-ce pas, de résoudre cette question de l'Est qui tarde toujours à trouver solution. Mesdames et messieurs, vous allez suivre l'actualité en images tout de suite. La tension n'a toujours pas baissé entre Kigali et même si les appels continuent finalement à se faire entendre au niveau diplomatique, mais la RDC est totalement décidée de ne plus laisser le régime de Paul Kagame perturber la paix et la quiétude des Congolais. Le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a d'ailleurs confirmé à son tour le soutien du Rwanda aux rebelles du mouvement M23. Il a fait, enfin, je vais dire aux terroristes, ça la rédaction congolaise aussi s'est trompée, c'est plutôt les terroristes de M23. Il a fait ses déclarations lors d'une visite de travail avec son homologue Denis Sassou Nguesso, samedi 4 juin et dimanche 5 juin 2022 dans la ville d'Oyo, à plus de 400 km de Brazzaville, en République populaire du Congo. J'espère que le Rwanda a retenu cette leçon, parce qu'aujourd'hui, c'est clair, il n'y a pas de doute, le Rwanda soutient le M23. Pour venir agresser la RDC, c'était le propos du président de la République, Félix Tshisekedi. Entre-temps, des voix s'élèvent pour appeler à Tshisekedi à annuler tous les accords signés avec le Rwanda dans le cadre de coopération économique, notamment dans la raffinerie des minerais. À ce jour, les organisations de la société civile militent pour la rupture de contrats signé avec le Rwandais. Félix Tshisekedi ne devrait plus donner confiance à Paul Kagame car lui ne voudra jamais la paix au Congo. Avec l'arrivée du roi de Belge sur le sol congolais, Félix Tshisekedi marque encore deux points sur le plan diplomatique. C'est une réussite pour son mandat car il a réussi à amener en RDC deux grandes personnalités du monde, c'est-à-dire le roi belge et bientôt le pape François. Alors, Freddy Mwamba, nous avons vu Dadju, qui était aussi un ambassadeur de la culture congolaise. Lui, dans un concert en Amérique, il a sorti les drapeaux congolais et a demandé au public américain, au public français, de se lever et de crier très fort et de demander la paix et d'imposer même la paix si possible. Et toute la salle avait répondu à cela. Et on a vu ça avec beaucoup d'autres personnes. On a vu Gims publier en faveur de la RDC tout à l'heure. Et quand on parle magie, c'est Kofi Olomide qui sort finalement une phrase comme quoi il est pro-dialogue. Et bizarrement, Kofi est de l'AFDC, de votre parti. Bon, je crois que cette assertion de M. Kofi Olomide n'engage pas forcément l'AFDC. Il faut que ce soit clair, hein? Ça n'engage pas l'AFDC. Je pense que c'est une assertion qui a été faite
dans un cadre, je crois, privé ou personnel, parce que au niveau de l'AFDC, l'organe qui arrête les grandes options au niveau de l'AFDC, c'est les bureaux politiques. Il est là, il y a la conférence des présidents qui décide et sur des options à lever en rapport avec des questions délicates comme celle-là. Il s'agit en fait d'une question qui touche au pouvoir régalien de l'État congolais. Donc on ne peut pas considérer ces points de vue-là comme étant un point de vue tout particulier. Il y a des canaux au niveau passé pour avoir effectivement la position au niveau de la FTCA. Bon, moi je pense qu'il ne faudra pas que nous puissions nous focaliser fondamentalement sur le propos de Kofi Olomide parce que c'est un ambassadeur, nous avons des officiels, passeport diplomatique. Nous avons des officiels ambassadeurs qui a un passeport diplomatique, c'est pour vendre la bonne image du pays en allant à l'extérieur, d'autant plus que c'est quand même un musicien qui est internationalement connu, un musicien notoire et qui peut-être son influence peut aussi apporter quelque chose au niveau de l'étranger, notamment, je crois, spécifiquement sur le plan culturel. Et nous avons aussi un problème de chercher des investisseurs dans ces pays. Je pense que la voix portée par Kofi Olomide peut aussi jouer un rôle important dans ce sens-là. Mais je ne crois pas que sur le plan politique, on peut, n'est-ce pas, faire totalement un recentrage sur le propos de Kofi Olomide pour dire, voilà, il a dit ceci ou il a dit cela. Donc, il a donné un point de vue. C'est un Congolais comme tous les Congolais peuvent émettre un point de vue sur la situation de sécurité, sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Mais dès là, à considérer que c'est une option qui est totalement rejeté, je crois que c'est faux aussi parce que même le gouvernement congolais n'a pas aussi totalement rejeté cette option. Il y a toujours une brèche, une possibilité encore d'utiliser mais c'est ce que Gauthier est en train de dire. Il faut aussi reconnaître. À quoi ça va vous servir des dialogues avec des gens qui ne sont pas sincères. Il faut aussi reconnaître une chose qui est même au travers de ce qui a été fait par le gouvernement en disant, j'espère que le Rwanda, le président lui-même l'a dit, il espère que le Rwanda a retenu la leçon, c'est par rapport au fait que la population s'est impliquée et a mis la main sur des soldats rwandais. Ouais. Et ces soldats rwandais nous ont servi des éléments probants au niveau du Conseil de sécurité. Mais là, ce n'est pas le dialogue. Vous comprenez? Là, c'est l'offensive. Là, c'est important. Non, mais le président de la République, dans les cadres diplomatiques, parce que la diplomatie, c'est l'art de la politesse. Ouais. La diplomatie, c'est celle qui détermine, n'est-ce pas, les degrés des relations que nous avons entre les degrés d'amitié et les degrés d'hostilité que nous avons avec nos voisins. Et il faut aussi reconnaître que la guerre, oui, il y a l'opinion, et c'est de façon extrêmement majoritaire, réclame à corps et à cri la guerre, mais nous devons aussi savoir que la guerre, elle est dispendieuse, elle est onéreuse, la guerre. Il faut tenir compte aussi du facteur, du facteur insécure de la guerre à l'aune des résultats escomptés ou des résultats qui peuvent produire la guerre. Il faut tenir compte de ces facteurs insécurité. Parce qu'il y a une certaine incertitude par rapport aux résultats lorsqu'on se lance dans une guerre. C'est pourquoi il faut utiliser tous les leviers possibles. Donc, la République démocratique du Congo, la République démocratique du Congo a cette obligation d'enclencher des solutions quaternaires à cette problématique de la guerre en République démocratique du Congo. Vous avez la solution politique qui doit être prise en compte. Et je pense que le président de la République s'est suffisamment investi dans ce sens-là. Vous avez la solution diplomatique, la solution judiciaire. Vous avez aussi la solution militaire. Nous avons nos militaires qui meurent sur le front. Chaque jour, on continue à se défendre. Ce n'est pas pour autant qu'il y a une espèce d'apathie qui s'est installée sur le plan militaire. Et aussi, ce que les gens doivent retenir, qui est la communication sur des questions délicates comme celle de la sécurité, c'est une communication qui est stratégique. Si aujourd'hui nous avons par exemple des militaires qui sont formés pour aller renforcer ceux qui sont au front, on ne les dira pas sur le plateau de télévision pour dire voilà, nous avons formé autant de militaires que nous allons envoyer pour aller, n'est-ce pas, contrer toutes les attaques de nos voisins. Voyez-vous? Et donc, je pense qu'il faut essayer de nuancer tout ça, de ne pas surtout y aller avec beaucoup plus d'émotion, de ne pas être trop émotif. Mais là, je suis froissé un peu, puisque généralement, ça, c'est le langage des Rwandais. Ils nous traitent généralement, ils disent qu'il ne faut pas être émotif.
Parce qu'ils savent en réalité que c'est quand ils parlent de cela que ça nous désarme un peu. Est-ce que lorsque vous parlez, par exemple, de tout le front, qu'est-ce que ça a marché 25 ans après, les questions politiques? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait politiquement? Vous parlez de la diplomatie. Quelle est l'arme diplomatique qui n'a pas été utilisée jusque-là, 25 ans plus tard? Vous parlez de la justice. Comment vous allez accuser le Rwanda, qui est visiblement soutenu par l'Amérique, visiblement soutenu par la Grande-Bretagne, visiblement soutenu par la communauté internationale? On voit le silence, mais alors, le silence pendant 25 ans. Personne n'a levé la main. Vous avez vu comment les Nations Unies ont du mal même à dire que les M23 sont des terroristes, alors que nous, le gouvernement, nous l'avons dit. Ils n'ont pas attendu que le gouvernement camerounais dise que le Boko Haram était des terroristes. Ils n'ont pas attendu. Ils n'ont pas entendu qu'en Syrie, que l'on dise que ces groupes étaient des terroristes. Ils ont eux-mêmes dit qu'ils étaient des terroristes. Mais ici, vous avez un gouvernement qui dit clairement que le M23 sont des terroristes, mais les Nations Unies s'étaient encore. Ils cherchent encore les termes et le nom. Et c'est devant cette cour que nous allons aller accuser. Pour quel résultat? Bon, moi je pense qu'à vous entendre parler, c'est comme si vous êtes véritablement dans les fatalismes. C'est comme si vous considérez que non, à partir du moment où sur le plan diplomatique, il n'y a pas encore eu des avancées significatives, c'est que c'est fini, c'est une option qui est véritablement à exclure et que cette fois-ci, il faut seulement une option militaire. Mais ça fait 25 ans, il faut dire la vérité aussi à la population. Ben oui. C'est qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont menés aussi sur le plan militaire. Ce n'est pas que le côté militaire a été totalement négligé. Ce côté-là n'a pas été négligé dans la mesure où même le gouvernement a même, je peux même dire, doublé les budgets de l'armée. Aujourd'hui, on en est à presque 400 millions de dollars. Avant, c'était environ 200 millions. Mais c'est pourquoi on dit qu'il faut continuer dans cette... Aujourd'hui, on en est à 400 millions. Il faut continuer. Donc, c'est pour vous dire à quel point cette option militaire, elle est totalement prise en compte par le gouvernement et n'a pas été exclue. Mais nous, nous disons quoi? Il faut aller avec toutes les options. Que toutes ces options soient sur la table de telle sorte que nous puissions recouvrer la paix dans notre pays. Mais s'il n'y avait pas d'option diplomatique, je pense que le président de la République n'allait pas se rendre auprès du président de la CIRGL. C'est parce qu'on estime qu'il y a un mécanisme de vérification. On dit qu'il y a une présence rwandaise sur notre territoire. Au travers les mécanismes de vérification, on peut apporter des éléments au président de la CIRGL qui va étudier des possibilités de voir, parce que jusque-là, par rapport à ces militaires, il y a eu ce qu'on appelle un accord de principe. On n'a pas remis ces militaires entre les mains du Rwanda. Il y a un accord de principe qui a été donné. Quand on parle d'un accord de principe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un contrat, il y a certains éléments du contrat qui ont commencé à être réalisés, mais le contrat lui-même n'est pas encore vidé, n'est pas encore fini. C'est-à-dire que nous acceptons, mais sous des milliers de réserves. C'est que le président de la CIRGL a une marge de manœuvre qui va lui permettre maintenant de contraindre le président Kagame à prendre des engagements forts pour mettre un terme avant de lui remettre ces militaires-là. Parce qu'au moment de la parole, les militaires ne sont pas encore entre tes mains. Et tout ça, c'est de la diplomatie, en fait. La diplomatie, c'est quoi? C'est les pare-chocs. En fait, c'est considéré comme étant un pare-choc des différents, un amortisseur des chaos. C'est pourquoi il ne faut pas toujours exclure la possibilité de recourir à la diplomatie. Donc il faut utiliser tous les moyens possibles pour vite qu'il y ait restauration de la paix, retour à la normalité. Très bien. Dans la partie orientale de notre pays. José Kaniki, voilà, lorsque vous êtes en face de la situation du Congo, par exemple, ce qui est bizarre, c'est que le Rwanda ne menace jamais l'Ouganda frontalement. Parce qu'ils savent qu'ils osent à 5h, à 6h, l'Ouganda va réagir. Pourquoi, ici chez nous, c'est nous qui parlons paix, c'est nous qui parlons construction de murs, alors que le Rwanda n'entend pas ça comme ça? Pourquoi nous sommes demandeurs de paix? Pourquoi ça doit être à nous de demander la paix au lieu d'imposer la paix? Merci beaucoup pour votre question. Nous sommes demandeurs de la paix au lieu d'imposer la paix. Yeah. Vous savez, lorsqu'un chef de l'État arrive au pouvoir, il est normal de penser et d'être d'abord, premièrement, soucieux de son peuple. Et pour qu'il y ait développement, stabilité et j'en passe, il faut d'abord qu'il y ait paix. Mais nous nous butons depuis des années à un problème. Je fais un rapprochement un peu avec ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Vous savez, après la préhistorica... Même moi, je n'arriverai pas. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de S dans la phrase, c'est compliqué pour moi. Alors, lorsque la grande URSS s'est disloquée, l'URSS, la Russie s'était affaiblie. L'URSS, bien la Russie a pris plus ou moins 30 ans à 35 ans pour se reconstituer, pour reprendre des forces, pour s'armer convenablement. Et aujourd'hui, elle a l'étoupée de s'attaquer
entre guillemets, à la petite Ukraine. Mais ici, dans notre pays, cher Christian, c'est depuis 25 ans que nous sommes en dessin. C'est depuis 25 ans qu'on est down. Qu'on est down, merci beaucoup pour le mot. Ouais. Et vous allez demander à un chef de l'État qui trouve un pays down de commencer aussitôt à s'attaquer à un autre pays. Mais ça, c'est de l'utopie. Et c'est même très dangereux. Il a fallu d'abord un temps d'une reconstitution, d'un réarmement, que nos forces armées comprennent la chose, que nos politiques comprennent la chose, que surtout le peuple comprenne ce qu'il faut faire. Je vis une petite digression, je vis M. Macky Sall avec le président russe. Pourquoi il est allé le voir? Parce que tout simplement, par rapport à la famine qui tend à atterrir au niveau du continent africain. Là, j'ai vu certains débatteurs, certains Congolais applaudir Macky Sall. Mais lorsque les chefs de l'État allaient aussi voir tous ces pays pour, au nom de l'Afrique, et plus précisément pour la RDC, eh bien, on l'a traité de tout le monde. Je suis sûr que Gauthier Sey se retrouve dans ce lot-là. Comment ça? Mais oui, dans le parce que lorsque le chef de l'État prend son bateau des pèlerins pour aller en Angola, on les critique. Lorsque le chef de l'État va au Congo-Brazzaville, en Belgique, aux USA, pourquoi? Pour faire entendre la voix de la RDC. Mais Gauthier Sey n'est pas d'accord. Je prends Gauthier Sey comme un exemple, parce que généralement, il est dans ça. Ah, bref. Ok, ah bah, je comprends tout de suite, ça n'a rien à voir avec ici, parce qu'on n'a pas encore parlé de ça ici. C'est une façon de... Je comprends. C'est une façon de parler. Okay. Bref, je vais vous dire. Lorsqu'il y a conflit à travers le monde, il faudrait qu'on le dise ici, généralement, il y a toujours une politique du bâton et de la carotte. D'ailleurs, l'Ukraine et la Russie sont en plein dedans. Ils se font la guerre, mais à côté, à gauche, il y a des négociations. Mais vous savez au moins que ce n'est pas la même chose avec la RDC. Hein. Le cas RDC, Rwanda, Russie, Ukraine, ce n'est pas la même chose. Certes, ce n'est pas exactement similaire, mais au moins, ce sont les principes. Vous comprenez? Lorsque, avez-vous appris que nos phares d'essai sont retournés dans les casernes? Non, ils sont au front. Ça, c'est le bâton dont je parle. Donc, on continue à être sur terrain. Et vous avez vu la réplique. Et vous avez vu la contre-offensive. Aujourd'hui, si le monsieur qui est sur vos écrans là est en train, vous allez comprendre que ces derniers temps, il gesticule. Ces derniers temps, lui aussi a pris son bateau des pèlerins. On l'a vu en Ouganda, on l'a vu au Congo-Brazzaville. Et si je ne m'abuse, peut-être en Angola. Oh, à l'époque, il ne le faisait pas. C'est pour vous dire que le narratif a changé. Lorsque M. Kagame dit aujourd'hui, on m'a attaqué. À l'époque, il le disait, jamais. Lorsqu'il dit aujourd'hui que les missiles, les grenades et j'en passe sont tombés sur mon territoire. À l'époque, il ne le disait pas. Donc, dans le code militaire, on ne dit pas tout. C'est un message qu'on lui lance, que nous pouvons vous atteindre. Mais soyez-en sûrs que la communauté internationale aussi ne va pas laisser ces deux pays entrer en guerre. Je suis tout à fait d'accord qu'il faudrait ramener cette guerre d'où elle est venue. Mais à côté, M. Christian, qu'on se le dise, il y aura toujours les côtés de la négociation. Et cela n'empêche, M. Christian, qu'il y ait ces bâtons-là, c'est-à-dire soit c'est la paix totale, soit c'est la guerre totale. Et moi, M. Christian, j'encourage le chef de l'État et tout son gouvernement d'aller dans cette optique-là, je les accompagne. Dans quelle optique? Dans l'optique de faire la guerre. Voilà. Quand il le faut, voilà. Mais sans oublier... Oui, le côté toujours diplomatique peut toujours rester. Ah, moi, voilà. Tout ce que je sais, moi, tout ce que je sais, Gauthier, je vous donne la parole, tout ce que je sais, c'est que moi, je fais le latin, donc le realia, on nous disait, il faut craindre les Grecs. On disait qu'il faut craindre les Romains, je pense. Il faut craindre les Romains, même quand ils vous sourient. Parce qu'après, ils vous font la guerre après. Il y a des gens qui vous font croire que voilà, on est attaqué, mais c'est une diversion. Ils veulent vous distraire pour que vous puissiez croire que c'est vrai, ils sont atteints. Quand vous allez vous démobiliser un peu, eux, ils vous frappent. Est-ce que la logique aujourd'hui doit être celle de construire une synergie, dire que voici l'option que nous voulons prendre,
sans négliger bien évidemment d'autres options, où il faut clamer à l'ordre dispersé comme ça. Un musicien va se réveiller un matin, il dit bon, on va aller négocier, nous voulons négocier, et d'un autre côté des champs, on veut la paix à gauche, et puis le gouvernement dit, mais est-ce qu'il ne faut pas construire une synergie pour que l'on sache la ligne du pays? Merci beaucoup, cher Christian. J'en arrive, mais je vais quand même rencontrer mes co-débatteurs. Allez-y. Je rencontre premièrement mon cher Freddy, qui me dit ici que Kofi Olomide, c'est un Congolais comme tout autre Congolais. Non. Tout Congolais n'a pas un passeport diplomatique. Ce n'est pas un Congolais comme tout autre Congolais. Là, c'est je dirais même que c'est maintenant un homme d'État, Kofi Olomide. Ce passeport-là, on l'a donné, n'est-ce pas, pour vendre les pays. Ce n'est pas tout Congolais qui est capable de vendre les pays à l'extérieur. Non, par rapport à mon... c'est par rapport au parti. Au parti. Par rapport au parti. Par rapport à votre parti. Parce que la question était précise. Il a dit, mais ce monsieur joue au Rwanda. Il est de la FDC. Il joue très souvent au Rwanda. J'en arrive. Parce que tout le monde débat. Cher Freddy était un peu en difficulté de s'attaquer à son camarade du parti. Mais si je te révèle, cher ami Christian, que Kofi venait de jouer à une diversion il n'y a pas longtemps. Il s'est amené à Goma, faire semblant, n'est-ce pas, de jouer, de faire un concert pour réconforter nos soldats, tout ça. Après, deux jours après, on apprend qu'il est au Rwanda. Ouais. Sur invitation du président Kagame. Donc, quand il parle de la négociation, il voit ses intérêts personnels. Donc, il est temps ici que les gouvernements puissent les retirer les passeports diplomatiques. Là, il défend ses amis. Parce que si on est en guerre avec les Rwandais, il n'ira plus jouer là-bas. Et vous avez vu, c'était un concert privé, où il y avait la famille du chef de l'État rwandais, il y avait ses filles, il y avait son fils. Et donc tout ça, c'est un ami de la famille présidentielle rwandaise. Donc c'est tout à fait normal que Kofi se sente embarrassé, qu'il pense qu'il faut qu'il y ait dialogue pour lui permettre, n'est-ce pas, croyant qu'il sera l'émissaire du gouvernement congolais, mais il se trompe. Et des deux, ici il y a eu un raccordement de mon frère Kaniki avec l'ex-URSS qui ne tient pas avec la situation actuelle. L'ex-URSS, quand il y a eu des problèmes, après, on n'a pas compté des morts, cher Kaniki. Après, on n'a pas compté des morts. Ils ont pris 35 ans pour se reconstruire, ok, dans la paix. Ils ont eu des conséquences, c'est vrai. Beaucoup de bâtiments étaient détruits, il fallait reconstruire le pays, il fallait réformer l'armée, il fallait tout ça. Mais il n'y a pas eu des morts. Mais ce n'est pas 16 millions de morts. C'est pas 12 millions de morts. Ce n'est pas 6 millions de morts. Il va plus loin. Il dit ici, écoutez, les Rwandais s'agitent. Quand vous attendez Kagame dire, il y a des grenades qui sont tombées. Les grenades sont tombées, mais chez nous, il y a des morts. Lui, il parle des grenades qui sont tombées, le qui n'ont pas causé des dégâts. Le Rwanda est incapable d'établir les bilans de morts. Des morts. Le Burundi, le Congo, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais chez nous, c'est chaque jour. C'est chaque jour. Nous sommes déjà en guerre, chers confrères et chers co-débatteurs, c'est que vous êtes maintenant politiques. Nous sommes déjà en guerre. Quand on retrouve les soldats rwandais sous les sols congolais, c'est quoi ça? C'est une guerre qui ne dit pas son nom. Il est temps que nous puissions déclarer la guerre. Arrêtons de chercher des faux fuyants, avoir peur. Nous avions déjà tout essayé avec les Rwandais. Je suis tout à fait d'accord que Kofi, qu'il entre dans sa peau des diplômes, comme ambassadeur, que tous les autres, GIMS, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est bon, que le ministère des Affaires étrangères s'active sur le plan diplomatique, mais que l'armée, qu'on laisse l'armée, n'est-ce pas, se battre. Il faut équiper l'armée, il faut chercher les pays voisins, les pays avec qui nous sommes en bon terme. Et nous devions aussi attaquer les Rwandais. Christian venait de le dire. Pourquoi ils n'osent pas avec l'Ouganda? Ah, ils ne peuvent pas. Ils avaient des soucis il n'y a pas longtemps. Ils ne peuvent pas. Mais tout, ils viennent seulement se battre chez nous. Pourquoi c'est seulement nous? Parce que nous sommes attentistes. Parce que nous avions peur. Ici, il n'est pas question, cher Kaniki, de dire le président vient à peine d'entrer. 4 ans, c'est trop. Voilà pourquoi le mandat est de 5 ans. On suppose que dans 5 ans, on peut poser des jalons et on peut résoudre quelques questions. N'est-ce pas? Même si je suis d'accord avec toi que dans 5 ans, on ne peut pas développer les pays dans tous les secteurs, mais quand même, dans des secteurs clés, on peut poser des jalons et essayer d'avancer. Donc ici, cher Christian Boussembe, moi je pense que sur tous les plans, nous devons déclarer la guerre. Il faut ici une synergie. Que les gouvernements nous disent quelle ligne il faut prendre. Mais il y a déjà les commandants de la police, il y a 2 semaines, qui appelaient la population, n'est-ce pas, à se prendre en charge. Au terme de Musée Laurent Désiré Kabila, prenez des machettes, prenez ceci et soyez prêts parce que nous sommes déjà en guerre. Ça a déjà été dit. Et quand vous suivez encore les général qui a parlé il y a 2 jours, qui nous dit qu'il y a maintenant, ils ont changé de stratégie. Nous venons de retrouver 500 soldats avec une nouvelle tenue. C'est déjà la guerre. Donc les Rwandais sont prêts à nous attaquer. Et ils nous attaquent déjà d'ailleurs. Donc maintenant là, il faudra que l'armée congolaise prenne des stratégies, qu'elle s'active, qu'on voit qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut faire retentir aussi les armes. Et d'un côté, que la diplomatie politique, la diplomatie, c'est pas moi, quoi, culturelle, la diplomatie, tout ça aussi puisse continuer. Mais laissons l'armée faire son travail. Alors, parce qu'on ne peut pas accepter que les soldats rwandais
puissent commencer à entrer et sortir. Ils entrent, ils font des dégâts et ils ressortent calmement. Et nous, on doit continuer à chercher à dire non, il faut d'abord que la cire gèle. Il faut... Non, entre-temps, ils sont en train de frapper. Ce sont nos frères, nos sœurs qui sont en train de mourir. Freddy, vous avez la parole. Mais la question, Freddy, je voudrais savoir pourquoi il n'y a que des groupes armés congolais que le Rwanda soutient. Pourquoi les Rwandais n'essaient pas de soutenir des groupes armés au niveau de l'Ouganda ou des groupes armés au niveau de Burundi, où c'est très timide? Mais pourquoi chez nous c'est comme ça? Le Rwanda n'a pas que la seule frontière avec nous. Le Rwanda a aussi plusieurs pays frontaliers. Mais pourquoi ce n'est pas le même rapport avec les autres qu'avec nous? Et pourquoi c'est nous qui devrions aujourd'hui faire le fils docile, l'enfant poli, l'enfant courtois, l'enfant discipliné, même quand on brûle au pied? Donc, ce qu'il faut d'abord retenir, il ne faut pas dire que nous sommes en train de faire en fait l'enfant poli ou quoi. Ce qui est vrai, il est factuellement vrai que nos forces armées sont en train de mourir au front. Ça, au moins, vous le savez. Que nous n'avons pas croisé les bras de ce côté-là. Mais principalement par là, nous ne sommes pas en guerre. Parce qu'il y a une procédure qu'il faut respecter. Non, non, on n'est pas en guerre comment? On est entré en guerre. Non, la RDC, principalement lui, par la là. RDC, elle n'est pas en guerre, mais elle subit actuellement. Il est factuellement vrai que nous nous défendons, nos militaires sont là. Et ils abattent en fait un travail des titans. Et je partage la douleur qui subit toutes les victimes de l'inhumanité dans cette partie orientale, voire même nos forces armées qui, jusqu'au sacrifice suprême, essayent un temps soit peu de défendre notre intégrité territoriale. Nous sommes en train de nous défendre, c'est ça qui est le plus important. Mais pour le reste, je pense que la mobilisation, elle n'est pas mauvaise, à partir du moment où cette même mobilisation de la population a été soutenue par le président de la République. Quand le président de la République dit que la leçon a été retenue, c'est par rapport à tout ça, justement. Bien sûr. C'est par rapport au fait que la population mis la main. C'est la population qui a attrapé ces militaires. Oui, mais si le président... En dehors de cela, vous avez parlé des obus qui sont tombés là-bas. Oui. Mais alors, il ne faut pas prendre ça à la légère. Non, mais c'est pourquoi je vous dis, pourquoi le président, lui, le président Félix, est clair sur la question? Pourquoi il y a beaucoup d'ambiguïté dans nos rangs? Si le président lui-même est si formel dans la question, est-ce que vous avez suivi qu'à la RTNC, on continue à appeler les M23 des rebelles, alors que le président de la République... Non, ce sont des terroristes. Le président dit que c'est des terroristes. Ce sont des terroristes. Mais pourquoi le conseil des ministres, mais alors, mais pourquoi le ministre de, pourquoi le ministre de pourquoi le ministre des Affaires étrangères a du mal à dire que c'est des terroristes? Il a été reçu à VOA. Mais pourquoi il hésite? Pourquoi certains membres du gouvernement sont plus hésitants là où le chef de l'État est si clair sur la question? Et vous avez des musiciens qui, après avoir chanté des bêtises, racontent encore une fois des bêtises, mais vous trouvez ça normal? Non, bon, je pense que c'est par rapport à la question qui lui avait été posée. On n'a pas posé la question au ministre des Affaires étrangères, la question de savoir s'ils sont terroristes ou pas, et que le ministre a dit, il a nié, il a resté en bloc. Non, mais le langage, ce ne sont pas des forces terroristes. C'est ça aussi le problème. Il a répondu à une question qu'on lui a posée. Et puis, il faut aussi reconnaître que nous avons affaire à un ministre des Affaires étrangères. Je vous ai parlé ici de l'art de la politesse, de la diplomatie qui est l'art de la politesse. Alors, on ne peut pas aussi, n'est-ce pas, rejeter en bloc, tous les principes possibles, même sur le plan international. Je vous cite une interview. Parfois, c'est langage des bois. C'est un langage qui est, en fait, autorisé dans ces domaines. Je vous prends une interview de Kagame. À l'époque, Kabila est au pouvoir. Kagame dit, on lui pose la question. Monsieur Kagame, est-ce que vous êtes au courant, est-ce que vous êtes conscient que les groupes armés congolais, rebelles congolais qui sont au Congo, c'est vous qui les nourrissez, c'est vous qui les entretenez, ainsi que vous travaillez avec eux. Est-ce que vous avez une conscience tranquille? Kagame qui répond, il n'y a pas que le groupe armé, même leurs membres du gouvernement, en commençant par la tête. Donc vous voulez nous dire que Kagame est impoli et que c'est seulement vous qui devez être poli? Donc ça dit que vous êtes en face des gens qui vous manquent du respect, mais vous devez être poli, ouais, courtois, parce que c'est l'art de la politesse. Non, je pense que là tu ne me comprends pas. Ok, alors fais-moi comprendre. En ce qui concerne par exemple les propos qui sont tenus par le président rwandais, encore faudra-t-il qu'il y ait des propos qui soient tenus actuellement, parce que même la vidéo qui a circulé dans les réseaux sociaux, c'est une vieille vidéo. Oui, c'est une vieille vidéo, bien sûr. Non, là, il faudra qu'on se mette d'accord. Si, je disais même qu'il y a quelqu'un qui a été au courant. Ces relations ont commencé à avoir du plomb dans l'aile. Oui. Il n'y a pas eu de déclaration faite dans ce sens-là. Non. À part le ministre des Affaires étrangères. Oui. Et encore que les propos du ministre des Affaires étrangères
ont été rejetés, avec condamnés, fustigés, avec une grande fermeté, ici en République démocratique du Congo. Exact. Tout le monde a suivi comment nous avons réagi de la façon la plus véhémente contre ces propos qui ont été tenus par les ministres des Affaires étrangères. Je ne sais pas s'il faut encore en faire trop. Notre pays. Non, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Mais le ministre des Affaires étrangères de notre pays l'a dit aussi. Lutundu, lorsqu'il était au dernier sommet, c'était où Mais c'est justement. Il était même dur, non dans ses propos, dans son discours. Le ministre des Affaires étrangères était dur, même dans son discours. S'il faut que vous puissiez vous attendre à cela. Mais il ne doit pas, bon, en tant que diplomate, il ne peut pas commencer tel un refrain à revenir. Il ne faut pas que ça ne sera pas une rengaine quand même. On est des responsables. Nous avons déjà fait passer les messages. Ce n'est pas qu'à tout moment, on sera toujours les Rwandais et tout ça. Voilà, ils sont comme ça. Non. Très bien. Alors, José Kaniki, la question demeure. Hein, ce sera la même chose. Quel est le langage qu'il nous faut maintenant? C'est quoi l'attitude que la RDC doit adopter en ce moment, en termes communicationnels, en termes de gestuels, même en termes de médias? Quel est le langage que l'on doit finalement adopter? Puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, Kofi, lui, il dit dialogue. Vous avez le ministre des Affaires étrangères qui hésitait. Je crois qu'il a eu beaucoup de mal à faire 30 minutes sans rien dire. On n'a même pas compris ce qu'il voulait véritablement dire sur la question. Alors que le seul à être clair sur la question reste le président et, comme Gauthier l'a dit, le gouverneur, les militaires. Au moins, eux, quand on le suit, on est rassuré. Mais quand c'est les politiques qui parlent, on a comme l'impression que, bon, voilà, on a du mal à citer les chats par son nom. Vous savez, monsieur Christian, vous me donnez, pas vous, mais certains Congolais, me donnent l'impression de faire plus les relais de ce que dit Kagame ou de ce que pense le Rwandais. Mais ils ont toujours tendance, nous Congolais, nous avons tendance de décrédibiliser ce que nous disons. Oui, parce que c'est mal dit. Vous voulez qu'on dise quoi? Ah, mais non, pas quand, du quand tout. Le chef de l'État dit, on est tous d'accord que le chef de l'État a été clair dans la question. Pourquoi on ne suit pas le chef de l'État? Le chef de l'État a été clair. Oui. L'armée a été claire. Bien sûr, c'est ce qu'on dit. Les ministres aussi ont été clairs. Par quel ministre? Cite-moi un seul. Je parle du vice-premier ministre des Affaires étrangères. Il a dit quoi? Et il a dit quoi? Mais, est-ce qu'on a suivi la même vidéo ou quoi? Je parle de l'interview de VOA. Je ne parle pas d'autre chose. Je parle de l'interview de VOA. Nous disons ceci. Oui. Il vient de se dérouler un sommet à Malabo, voilà. Si je ne m'abuse. À Malabo, c'est à Malabo. Mais il a été clair. Mais c'est quand? Mais ce n'est pas possible. La dernière intervention, c'est VOA. S'il vous plaît. Mais on suit tous les infos ou pas? C'est perdu, moi. Moi aussi, je venais de suivre le vice-premier ministre, il y a cela. Un jour, si je ne m'abuse, au niveau de France 24. Mm. Alors, moi, je l'ai suivi, il a été clair. Mm. Et qu'on se le dise, il est clair que le chef de l'État a dit que ce sont des agresseurs. Et les chefs de l'État et le gouvernement ont dit ceci. Nous n'allons pas parlementer avec le M23. Plus jamais. Nous allons plutôt, s'il faut parlementer, et on va parlementer avec celui-là qui les soutient. Qui? Le Rwandais. Ça a été clair, ça a été dit. Vous voulez qu'ils disent cela avec quel mot? Ils vont faire quoi? Et vous trouvez ça normal quoi? Ils vont parler avec le Rwanda. Ils vont parler quoi? De quoi? Combien de morts vous avez fait? Pourquoi vous avez armé ces gens? En entendant, les gens sont morts, les gens continuent à mourir. Nous disons ceci. Mais pourquoi vous êtes demandeurs de parole? Pourquoi c'est vous qui demandez toujours la parole aux autres? Pourquoi ils ne vous ont jamais demandé nous le dialogue? Nous ne les demandons pas. Si, vous le demandez. S'il vous plaît. Mais c'est votre propos. Laissez-moi argumenter, allez-y, monsieur Christian. Allez-y. Nous disons ceci. Nous sommes d'accord qu'il faut qu'il y ait guerre si on nous impose la guerre. Voilà pourquoi... Si. Attendez, s'il vous plaît, laissez-moi parler, argumenter. Nous avons des bataillons à Kibomango. Nous avons envoyé des bataillons sur terrain. C'est pourquoi? C'est pour la guerre. C'est pour une réplique. C'est pour une contre-offensive. Mais vous voulez qu'on livre les secrets militaires à tout le monde comme ça? Non, qui dit qu'on avait livré les secrets? Mais voilà! Quand le Rwanda, quand le Rwanda arme l'M23, il dit ça à la télé? Mais voilà! Mais pourquoi vous n'arrivez pas à soutenir le FDLR? Faites-le! Pourquoi vous voulez qu'on fasse exactement la politique du Rwanda? Parce que vous souffrez de non, ça! Non! Nous avons notre politique! Nous avons notre réalité! Et ces réalités-là, vous me parlez de 10 millions de morts! Certes, c'est vrai! Mais pourquoi vous pensez que déclarer la guerre? Est-ce que le Rwanda a déjà déclaré la guerre aux Congolais depuis toujours, depuis toutes ces années? Pourquoi il ne l'a pas fait?
Si les Rwandais se sentaient si forts que cela, mais qu'ils déclarent tout simplement la guerre. Oh, mais ils ont déjà ce qu'ils veulent avoir avant non, de déclarer la guerre. Non. Ils jouent à la politique aussi. En ne déclarant pas la guerre, ils jouent à la politique. Nous aussi, nous allons jouer à la politique, mais tout en brandissant notre armée. Et c'est ce qui est en train d'être fait sur terrain. Vous n'allez pas me dire, monsieur Christian, ici, que le chef de l'État ou le gouvernement est resté amorphe. Non, ne mélangez pas les chefs de l'État et le gouvernement. Ici, le gouvernement est faible, le chef de l'État est fort. Et ça, on doit être clair. Le chef de l'État est clair sur la question. Il ne va pas par quatre chemins. C'est votre gouvernement qui trouve encore des mots, des phrases, des tout ça. C'est votre gouvernement. Il ne faut pas qu'on mélange les choses. L'armée est claire sur la question. Les militaires sont clairs. La population est claire. Monsieur, comment... Ici, vous avez Monsieur un gouvernement Christian, qui est très faible. Il faut l'assumer. Comment vous voulez dissocier le président de la République de son gouvernement? Parce que c'est pas la même chose. Ah, mais non, quand même. C'est pas la même chose. Ah, mais non. Oh là, oh là, oh là. Non. On est où? C'est pas la même chose? S'il vous plaît. C'est pas la même S'il chose? S'il vous plaît. Oh. Si les paroles du chef de l'État, c'est ce qui s'est dit aussi dans le Conseil des ministres, et ce que disent les ministres sur la sécurité, ça se traite où? Dans le Conseil des ministres. Et puis ça veut dire? Monsieur Christian, si vous ne pouvez pas me comprendre, vous n'allez jamais me comprendre. Non, mais attendez, bref, on ne mélange pas les choses. Non, c'est vous qui voulez dissocier ce qu'il ne faut pas dissocier. Oh là. Ça, c'est clair. Nous disons ceci. Monsieur Christian, s'il vous plaît, il est clair que ce pays est en guerre. Ce pays est en insécurité. Nous mettons les moyens. Nous avons mis les moyens. Et l'armée se comporte bien sur le terrain. Maintenant, vous voulez que nous disons ceci, que nous puissions dire ceci, nous déclarons la guerre. Et puis nous commençons à lancer des bombes de l'autre côté, et puis ça devient une guerre totale. C'est pas vrai. Alors si c'est vraiment comme ça que vous comprenez, mais alors ça ne sert à rien, je préfère rester dans ma police de débat. Parce que après, quand alors, on échange... Donc mais, vous alors, étiez sorti de votre police de débat tout. Ou quoi? Non, vous ne me comprenez pas du tout. Je mais ne pas pas, du tout. Je ne même pas. Dans mes relances, vous ne me comprenez Monsieur, pas. Mais s'il vous plaît. Je suis pas mes relances, je reste dans les questions. Plus que même dans mes relances, vous ne me comprenez pas. Non, je vous comprends très bien. Non, pas du tout. Vous voulez la manière forte. C'est clair. Et je n'en disconviens pas. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais c'est vrai, avec cette manière forte, mais de l'autre côté, vous ne voulez pas qu'on parle avec le Rwanda. Non. Mais qu'est-ce que vous voulez au juste? Je n'ai pas dit ça. Je crois que Gauthier et moi, on a presque la même tendance. Moi, je dis ceci. Oui. Je veux bien que la porte reste ouverte pour des négociations. Mais je ne veux pas qu'on en fasse écho, large écho, que ça reste de voix silencieuse pour ouvrir des choses, parler, de ne pas parler. Vous pouvez toujours parler, même dans les moments le plus difficile, il y a toujours des liens où les gens parlent. Mais n'en faites pas, donnez pas beaucoup de lumière à ça. Qui en a fait écho? Mais c'est ce que vous faites à votre tous les jours. Je parle du ministre des Affaires étrangères. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi mais faible que ça. C'est son travail. Son travail de quoi? D'affaiblir les gens? Non, c'est pas son travail d'affaiblir, mais c'est son travail de faire ce qu'il est en train de faire là. Okay. N'importe-t-il pas, je termine s'il vous plaît, oui, n'importe-t-il pas la voix de la RDC à travers le monde? Non, malheureusement. Oh, ça, c'est votre conception. Vous en avez le droit, d'ailleurs. Oui, c'est ma conception, malheureusement. Pour moi, malheureusement. Moi, j'ai beaucoup, d'ailleurs, Gauthier, je vous donne la parole. Moi, j'ai beaucoup apprécié la prise de parole de Mme Eve Bazaïba. J'ai senti quand même qu'il y avait beaucoup de fermeté dans ses phrases. Beaucoup de fermeté. Trois phrases ont suffi. Monsieur, on n'est pas d'accord avec ça. Si vous continuez, vous avez notre désapprobation totale. Et puis, vous avez l'autre qui est dans la... Je ne sais pas moi, dans... Voilà, on est un peu dans une sorte de cirque. On parle gentiment, calmement, comme si on était... Comme si on avait détruit des immeubles, alors qu'on parle des morts. Des morts, voilà. Les trois phrases ne sont pas venues des madames. C'est venu de qui? De qui? Les trois phrases là, ce sont les trois phrases qui ont été inscrites dans la lettre. Et la lettre là, oui. C'est une lettre que le président de la République a écrite à son homologue. Très bien. Alors, j'aurais bien dire que ça vient de Bazaïba, non? Pourquoi j'ai dit? Donc, vous êtes d'accord avec moi que... Alors, mais si vous dites ça, mais c'est encore grave. Donc, le chef de l'État peut écrire des choses. Il a écrit et oui, très bien. Et le ministre des Affaires étrangères, lui, il a tenu, c'est ça. Parce que vous dites que Mme Bazaïba a dit exactement ce que le chef a dit. Bon, le problème, c'est je ne sais pas si pourquoi vous liez les ministres au président de la République. Moi, je ne sais pas exactement. Oh, mais écoutez, que tu es en train de poursuivre. Mais néanmoins, il y a ce que le président a dit, il y a aussi ce que le ministre a dit. Moi, je ne vois pas pourquoi nous devons faire le mélange du genre. Non. Mais finalement, vous dites quoi à la fin? Donc, il y a un moment donné, ils sont ensemble, et un moment donné, ils ne sont pas ensemble. C'est pas vrai. J'ai l'impression qu'on ne parle pas le même langage, cher Christian, sur ces plateaux. Mais je vais quand même rafraîchir la mémoire de mon frère José.
Il nous dit ici, si on nous impose la guerre, mais on nous a déjà imposé la guerre, chers frères. Vous n'avez pas suivi le président rwandais dire que nous ne sommes qu'un petit pays, on ne peut pas faire la guerre chez nous, on doit aller se battre là où, à l'origine, là où il y a le FDLR, là où il y a de l'espace. Vous n'avez pas suivi ça. Je m'excuse. Et vous n'avez pas suivi le président congolais? Vous ne pouvez pas relayer ces messages-là? Mais comment vous dites qu'il n'y a pas guerre? Il y a déjà guerre. Non, lui, mais comment vous dites qu'il n'y a pas guerre, mais c'est plutôt Mouamba qui dit qu'il n'y a pas guerre. Non, non, je dis factuellement, il est factuellement vrai que nous sommes en guerre. Mais principiellement parlant, nous ne sommes pas en guerre. C'est clair. Nous sommes des gens. Je suis clair. Les effets, C'est ce qu'il est en train de dire. Il est factuellement vrai que nous sommes en guerre, mais principiellement parlant, nous ne sommes pas en guerre. Je ne sais pas si je ne vais pas. Christian, je vais t'aider. Les effets sont les mêmes. Christian, je vais t'aider. Non, il y a une rupture sémantique. En tout cas, il y a une rupture sémantique. Ils ne veulent pas être clairs sur ces plateaux. Ils savent. Après la caméra, on vous dit, on parlera le même langage. Mais ici, ils doivent défendre, n'est-ce pas, leur camp politique. Non, mais pas vous savez, possible. C'est pourquoi. Je vous rappelle, nous sommes en difficulté avec l'Ouganda. Il y a une année, le président du Sénat, Bahati Lukwebu, invité en Ouganda, pris en charge, logé, nourri, pour aller inaugurer un abattoir. Vous vous rappelez, il y a une année, pendant que nous étions en difficulté avec les problèmes de la route là, des 106 combien de kilomètres que l'Ouganda est en train de construire. Le président ougandais et le président du Sénat, le président d'une institution. Vous voulez que les ministres des Affaires étrangères disent quoi? Raccordement frauduleux. Vous voulez qu'ils disent quoi? Nous savions les relations qu'ils ont avec le pays, les Rwandais. La plupart de nos hommes politiques ici, la journée ils sont ici, la nuit ils sont en Ouganda, ils sont au Rwanda. Je vous rappelle ici, il y a eu un problème ici au niveau de la présidence, un problème de 20 millions, il fallait des cas, c'est pas moins un premier. Mais il y a un conseiller qui s'est retrouvé au Rwanda. Sous prétexte qu'il était en mission. Mais après, on a suivi de près, il n'était pas en mission. Il est allé chercher quoi? La plupart des politiques ici, ils ont des parrains de l'autre côté. Et il y a des ministres ici qui prennent réunion dans des regroupements, c'est pas moi, des toutis. Et quand ils parlent, ils ne peuvent pas prendre position. Comme qui? Position, je peux vous en citer. Non, non, on ne va pas citer. Je peux vous en citer les noms. Et les photos sont sur la toile. Nous sommes infiltrés à tous les niveaux. Et quand vous suivez même Kofi dire ce qu'il dit là, je venais de vous expliquer ici qu'il est ami à la famille présidentielle rwandaise. C'est un musicien qui est capable de jouer dans tous les pays du monde. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Il ne faut une pas chose. Présenter Kofi jouer, comme si c'était un petit patriotique. Jouer, quand même. Jouer c'est une chose, mais être ami c'est une autre. Jouer c'est une chose, être ami de la famille. Non, parce que vous voulez que je pousse votre ami. Pas du tout. Moi quand vous dites ça, je ne vous comprends pas. Pourquoi? Donc ça veut dire que vous êtes d'accord. Pourquoi vous allez poser la question de fond ici? La paix. Pourquoi les Rwandais ne menacent pas l'Ouganda, ne menacent pas Burundi? C'est mal à RDC, c'est tout à fait normal. Ils n'ont rien à prendre là-bas. Nous, tout au long de frontière, il y a des minerais. Et quand ils sèment cette terreur-là, ils en profitent, n'est-ce pas, pour piller nos minerais, pour aller s'enrichir. Comment pouvez-vous comprendre que le président est plus riche que son pays? Et on vous dit qu'il n'a jamais détourné. Et où est-ce qu'il trouve cet argent? Il pille la République démocratique du Congo. C'est tout à fait normal qu'il s'agite à s'aimer la terre de temps en temps en RDC. Et là, il faut imposer maintenant la guerre. Il faut imposer la force. Nous sommes ici en état de faiblesse. On ne doit pas continuer à perdre nos frères. Je ne sais pas si vous avez des frères de l'autre côté. Je ne sais pas si vous avez des liens, des amis qui ont perdu la vie parce qu'ils sont à l'Est. Et la guerre totale ne va pas faire perdre des frères. Mais c'est une fois pour toutes, vaut mieux une fin effroyable. Je suis tout à fait d'accord avec la guerre. Mais c'est juste une question. Donc ici, moi je pense que nous devions faire la guerre. Et comment il faut faire la guerre? Il faut maintenant prendre les langages du chef de l'État, les langages de ces généraux qui ont demandé à la population de se prendre en charge, de s'armer et d'attaquer les Rwandais. Parce que nous sommes déjà en guerre. Qui est contre ça? Et là, à ce moment-là, il ne faudra pas nous amener des discours. Quand vous dites que non, les ministres, quand vous dites que le VPM des Affaires étrangères n'est pas clair dans son argent. Ici, on me dit qu'il était clair. Mais on vous dit ici que même la RTNC. Mais qui vous dit qu'il était clair en quoi? Même la RTNC ne parle pas des groupes terroristes. La RTNC parle. La RTNC parle des rebelles. Les ministres parlent des rebelles. Ici, on parle des terroristes. Donc, votre problème, c'est parce qu'il a parlé des rebelles et des terroristes. Mais oui, mais ça a un sens. Mais et les terroristes et les rebelles, on les traite de la même manière. On les traite de la même manière. Non, ce n'est pas la même chose. Un terroriste, c'est un rebelle, c'est un rebelle. C'est pas la même chose. On attaque un terroriste de la même manière qu'on attaque un rebelle. C'est pas possible. Un terroriste, il y a toute une méthode pour l'attaquer. La finalité, c'est quoi? C'est que ces personnes-là font du mal au peuple congolais.
Non, c'est pas la finalité, mais il faut une pour procédure. Ce genre-là, il faut une méthodologie pour traquer les terroristes et attaquer les rebelles. C'est clair, on ne peut pas attaquer les rebelles de la même manière que on attaque les terroristes, parce que les terroristes, ils ont une façon propre à eux d'agir. Mais voilà pourquoi c'est vous avez vu tout... des grandes armées, même l'armée américaine, elle n'a pas pu, n'est-ce pas, mettre fin tôt, si tôt avec. Comment on attaque les rebelles et comment on attaque les terroristes? Non. Alors, mais c'est qui est, mais c'est bizarre quand même, parce que moi ce que j'ai. Parce qu'ils ont des obus, ils ont des armes. Non, ce que j'ai craint. Conventionnel même. Non, ce que j'ai craint dans tout ça, c'est que nous. Voilà, vous voyez pourquoi, M. Kaniki, nous n'arrivons pas à construire un même langage. Et c'est ce désordre qui profite aux autres. Parce que ce langage que vous avez, ce n'est pas le langage d'un pays qui est attaqué. Un pays qui est attaqué a un même langage. Il dit la même chose. Ils appellent l'ennemi de la même manière. Vous n'allez pas trouver ici, on dit, ils sont méchants, moins méchants. Non, ils ont un langage. Mais j'ai comme l'impression que chez nous-mêmes au Congo, on a un problème. Tantôt, c'est des rebelles, tantôt, c'est des ennemis, tantôt, c'est des adversaires, tantôt, c'est le terroriste. Mais finalement, vous allez utiliser quelle méthode? Puisque si c'est le terroriste, alors disons-le des terroristes et appliquons la méthode des terroristes. Parce que les terroristes, Momba, vous avez la parole. Les terroristes ne viennent pas se livrer comme alors, ça. Alors, Momba, qu'est-ce que nous gagnons? Nous allons évoluer parce qu'il ne reste plus que 30 minutes. Oui. Qu'est-ce que nous gagnons avec la Belgique? Est-ce que la Belgique va porter la voix du Congo au Conseil des Nations Unies? Est-ce que la Belgique va être témoin de tout ce qui se passe maintenant? Vous pensez que ça va changer quelque chose fondamentalement dans cette lutte-là? Même si la Belgique n'a pas encore dit qu'elle soutenait la RDC dans ces moments de tout ça? Bon, moi je suis de ceux qui pensent que nous ne sommes pas à l'époque de l'Empire ottoman, où il y avait l'Empire ottoman avait assuré une protection militaire sur les principautés chrétiennes dans le cadre des relations structurelles entre les États issus de la vassalité ou bien de la monarchie. Nous ne sommes pas encore à cette époque. Ce que nous devons faire, c'est nous prendre nous-mêmes en charge actuellement et ne pas compter sur un quelconque protectorat, soit de la Belgique ou quoi que ce soit. J'ai suivi le ministre Alexandre Decrou dire que ce soit le Rwanda ou la République démocratique du Congo dans ces conflits, que les deux pays doivent prendre chacun ses responsabilités. Et je trouvais que c'était responsable. Très responsable. Nous devons prendre nos responsabilités. Ouais. Il a dit ça et nous ne devons pas compter sur un quelconque protectorat pour dire la Belgique va nous apporter ceci ou bien la Belgique va nous apporter cela. Donc, nous devons nous assumer en tant qu'État et peut-être la Belgique peut nous accompagner dans la démarche qui est dans notre au niveau du Conseil de sécurité à travers notamment soit l'Union européenne ou le Conseil de sécurité dans notre position de dire que nous sommes véritablement agressés pour que la Belgique ne puisse pas avoir une conscience chargée. Parce qu'il faut reconnaître que lorsque la Belgique avait fait preuve d'atonie, lorsqu'il y a eu génocide au niveau du Rwanda, la Belgique, à cause de son apathie, avait une conscience lourde et ils étaient obligés de présenter leurs excuses à l'égard du Rwanda parce qu'ils n'étaient pas venus à la rescousse du Rwanda lorsqu'il y avait génocide au niveau du Rwanda. Vous comprenez? Parce qu'on parle aussi d'excuses, j'aimerais revenir sur ça parce que dans l'opinion, il y a des gens qui sont en train d'emphatiser l'excuse pour dire non, il fallait qu'on demande des excuses, qu'on présente des excuses à la République démocratique du Congo pour qu'on n'a pas fait. Moi, je pense que les regrets qui ont été exprimés déjà par, le roi belge, par sa majesté, le roi, en disent long. Lorsqu'il dit, il présente les regrets pour les souffrances subies par les Congolais, pour les souffrances infligées aux Congolais à cause du passé colonial. Moi, je pense que c'est bon qu'il le dise et cela nous conforte dans notre posture de dire qu'au moins la Belgique reconnaît et assume son passé par rapport à ce qui s'est par rapport à toutes les exactions commises en République démocratique du Congo. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui pensent qu'il faut qu'ils payent 250, la France 250 milliards, je suis pas très fort dans les chiffres. Il y en a qui disent qu'il faut qu'ils payent 250 millions, millions de dollars au Congo. Mais est-ce que ça va changer les choses? Donc, c'est pourquoi je dis le préjudice causé n'est pas quantifiable. Oui.
ce n'est pas quantifiable, il faut que les gens évitent cela. Même si cela avait été repris dans un rapport, je crois, d'environ 689 pages, oui, des 10 experts belges qui ont été choisis par la commission spéciale en Belgique, la commission spéciale parlementaire sur le passé colonial, qui a y amené des enquêtes. Ils ont produit un rapport, parce que les rapports, là, les gens pensent que c'est les rapports de la commission spéciale parlementaire belge. Non, les rapports de la commission parlementaire belge n'ont pas encore été mis sur la place publique, vous comprenez? Ça n'a pas encore été rendu public. Ce qui a été rendu public, c'est les rapports des 10 experts qui ont été choisis par la commission parlementaire spéciale belge qui devait, n'est-ce pas, enquêter sur le passé colonial. Il y a notamment cette proposition qui a été faite dans ces rapports, mais comme il s'agit en fait d'un organe qui est simplement consultatif et que ça ne peut pas prendre des décisions, c'est au niveau du Parlement belge où des décisions doivent être prises dans le sens de dire on peut mettre les rapports à la disposition du public et voir si éventuellement il peut y avoir, réparation ou pas. Et très donc bien. Dans ces stades, je pense qu'il ne faudra pas que nous puissions plus insister sur le fait qu'il faudra qu'on puisse nous, que la Belgique puisse réparer, présenter ses excuses. Il y en a qui parlent même des excuses de Macron à l'égard de l'Algérie. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que ce qui s'est passé en Algérie est différent de ce qui s'est passé ici. C'est pas la même chose. Parce que ce qui s'est passé en Algérie, c'est quoi? Macron a présenté des excuses aux harkis, qui étaient les suppléments de l'armée française en Algérie. Ça veut dire, s'il faut transposer ça en République démocratique du Congo, c'est comme si on dit que le président et le roi belge présentent ses excuses, par exemple, à Tshombe. Tu comprends un peu ça? C'est comme si le roi belge présente ses excuses à Tshombe ou à Victor Nendaka et les autres Munkamba, Ferdinand Kazadi, qu'on a toujours cité parmi les personnes qui ont aidé les Belges à pouvoir, en fait, assassiner la République démocratique du Congo. Donc, que les gens ne confondent pas. Et les nationalistes algériens, ce sont eux qui ont subi, parce qu'ils étaient les anticolonialistes dans la guerre d'Algérie, et les harkis, et c'était vraiment des auxiliaires musulmans qui aidaient la France dans cette guerre en Algérie. Donc, le Macron, ce qu'il a tout simplement fait, c'est reconnaître que l'armée française a eu à assassiner les nationalistes algériens. Mais il n'a jamais présenté ses excuses envers ces nationalistes algériens, mais les a présentés aux harkis qui étaient leurs supplétifs. Voilà, alors, donc c'est un peu Kaniki, ça. On va terminer avec Gauthier, mais vous, Kaniki, le roi belge au Congo, est-ce que c'est maître à l'actif, c'est vrai, du président de la République, mais est-ce que ça peut jouer un rôle important dans nos conflits avec, par exemple, le Rwanda? Et aussi, votre mot par rapport à ce qu'il pense, qu'il faut que le roi belge demande pardon, finalement, clairement aux Congolais, et qu'on paye cette somme de 250 millions de dollars. Merci beaucoup. Concernant déjà le pardon, nous pouvons exiger le pardon. Mais celui qui demande pardon ne se sent pas obligé de demander pardon. Ça doit venir de sa conscience, de son vouloir, de sa reconnaissance du mal qu'il a fait. Ça, c'est de un. Et de deux, je pense à mon humble avis que le fait déjà qu'il regrette une lettre adressée au chef d'État de la RDC et il est dit clairement en face au Congrès et à la face du peuple congolais. Nous regrettons de tout ce que nous avons fait. Nous ne voyons pas cela. Nous voulons qu'ils disent pardon. Non, on ne va pas les contraindre. C'est même aussi frustrer l'autre. Voilà pourquoi je disais que ça doit venir de lui. Mais le pas qu'ils ont fait, et la diplomatie agissante depuis que le chef de l'État est arrivé au pouvoir produit ses fruits. Parce que dans un passé récent, le Congolais disait généralement que voilà, notre voix n'est pas entendue à travers le monde. C'est plutôt la voix du Rwanda. Parce que le Rwanda s'est retrouvé partout dans toutes les institutions. On s'est lamenté. Mais depuis que le chef de l'État est au pouvoir, il jette des ponts. Certes, les ponts n'ont pas été ou n'a pas été solide avec tous les pays. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a que le Rwanda. Mais avec l'Angola, ça va. Avec l'Ouganda, on peut le dire quand même, ça va. Avec la Zambie, avec le Burundi, avec la Belgique, avec les États-Unis, la France. Vous sentez que nous revenons dans les concerts des nations. Or, la Belgique, aussi petite qu'elle soit, sur la
plan de la superficie, mais au niveau politique, elle est quand même, pas quand même, pas quand même, elle est une puissance. Elle est même le centre des décisions. Merci beaucoup, vous me prêtez les mots. Donc, c'est important. Elle a pris plusieurs sièges, je pense, de grandes organisations. Exactement. Malheureusement, il y a certains Congolais qui pensent toujours le contraire. Ils vont vous dire, ça sert à quoi? Mais ces masques-là, ces œuvres d'art qui vont retourner au pays, ce n'est pas important? Si, c'est important. Ces reliques, depuis 60 ans, oui, on veut bien voir le corps et on veut bien en terminer avec cette histoire de Lumumba dans le sens de cette reconnaissance claire du mal de la Belgique. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais ne négligeons jamais le premier pas. Ces reliques qui vont retourner dans ces pays, c'est déjà une bonne chose. Bref, M. Christian Bossembe, cette diplomatie agissante, elle est bonne pour la République démocratique du Congo. Et je pense que la Belgique, d'ailleurs, à travers les discours et même le point de presse, si j'ai pu m'exprimer ainsi, du Premier ministre belge, a été clair. Ils ont dit que nous devons nous prendre en charge et l'intégrité territoriale de la RDC doit être respectée, comme d'ailleurs en Ukraine, il a fait un peu ses rapprochements. Très voilà bien. Un peu. Merci beaucoup, M. Kaniki. Alors, Gauthier, je te fais rire un peu, mais moi aussi, ça m'a fait rire. J'ai vu quelqu'un publier, il dit, il faut qu'on publie les photos. Vous voyez les photos où les mains étaient coupées sur le long du boulevard, comme ça, lorsque le roi passe, qui regarde, comme ça, il va se rappeler. Alors, je me suis dit, mais finalement, vous agressez un roi qui vient chez vous ou... Non, vous savez, les Congolais, quand ils n'aiment pas quelque chose, ils sont terribles. On est tellement inventifs, mais qui peut faire un truc pareil? Ça dit, ma photo, ma bagatelle, ma boucle, ma chambre, ma boulevard, le roi Tangozole, et rappelez le roi que ma catamise. Mais qui maîtrise l'histoire de la RDC comme le Rwanda? Et puis un autre, pour terminer, ma Ferry, il publie, roi belge, Yomuto Kataka Congo, Yagobi, ça Rwanda, ma limite. Ça, c'est quoi? Ah, bon. Bon, moi, je vais la parole. C'est ça la démocratie, même romancée. L'expression et la liberté d'opinion. Chacun est libre de mettre son opinion. Mais bon. Et ici, les amis ont tout dit sur l'arrivée du roi. Mais moi, les côtés masques, les côtés tout ce qu'il faut remettre là et l'argent, moi, je pense que c'est toujours important. Ils peuvent aussi donner un peu d'argent à la République démocratique du Congo. Parce que ces masques-là, quand ils ont gardé ça pendant longtemps, il y a eu des touristes qui sont allés voir les masques Chokwe, les masques Pende, ils en ont fait de l'argent. Et rappelez-vous que la France et l'Allemagne, pour qu'ils deviennent aujourd'hui amis, ils sont arrivés à l'arrangement, tout ça. L'Allemagne a décaissé autant de millions. Et moi, on est un pays pauvre, on a besoin d'argent, on a besoin d'élections, on a besoin de routes. Les 250 millions, là, moi, je pense qu'on peut avoir 250 km. Oui, 250 km. De routes. Donc, moi, je pense que c'est important. Il faudrait qu'on mette aussi un peu d'accélérateur, qu'on appuie sur l'accélérateur, qu'il puisse les faire si possible. Et de deux, ce qui est bien dans ça est que, vu ce que nous sommes en train de vivre avec les Rwandais, et les rois arrivent, c'est les regards du monde qui est vers la RDC. Et je pense que les langages ou les pleurs des Congolais seront entendus par les différents médias qui vont nous relayer, parce qu'il y a quand même les rois qui est là. Et c'est une bonne chose. Et de trois, j'ai appris que c'est pour une première qui se déplace avec un grand nombre de son gouvernement. Trois membres et son premier ministre. Généralement, il va seul et deux ministres. Et je pense qu'il y a vraiment des accords qui seront... Mais est-ce que vous pensez que nous gagnons un peu quand la Belgique prend position à ce niveau, cher Mamba? Vous voyez qu'on est en conflit avec le Rwanda, mais c'est en cette période que le roi accepte de venir. Un peu, est-ce que ce n'est pas un langage pour dire « je soutiens le peuple congolais et s'il faut faire un choix, eh bien je suis du côté du Congo ». Voilà, mais donc c'est-à-dire quoi sur le plan international, vous aurez la parole pour terminer. Sur le plan international, lorsqu'un État pose un geste, les gestes posés par un État c'est bien réfléchi, hein, déterminent les degrés des relations ou d'amitié ou bien les degrés d'hostilité entre les États. Déjà, le fait de mettre ses pieds ici en République démocratique du Congo, c'est un geste qui est louable, un message qui est aussi quelque part envoyé au Rwanda, qui a aussi besoin d'être soutenu parce que le Rwanda, il faut savoir, celui qui est derrière le Rwanda, celui qui est derrière le Rwanda est connu. C'est la communauté internationale qui est derrière le Rwanda. Mais il faut dire aussi que c'est la communauté internationale qui fait allusion aux multinationales, aux dirigeants qui ont une influence. Ça commence à changer un peu. Camille qui l'a dit tout à l'heure, il commence à se plaindre un peu. Il commence à se plaindre. Mais bien sûr, ça commence à changer. Je suis comme ça. Je peux te donner un autre exemple. Un autre exemple, c'est la sanction qui a été infligée
aux Belges qui avaient créé une usine de raffinerie au Rwanda. Oui. Vous comprenez, oui. Une usine de raffinerie d'or au Rwanda, alors que tous savons qu'au Rwanda, là-bas, ce sont les bananes. Ouais. C'est un peuple pasteur. Et ils n'ont pas, ce sont les patates douces, c'est un peuple pasteur. Et ils n'ont pas tous ces minéraux. Ces minéraux-là viennent d'où? Et puis l'état de siège a fait mal au Rwanda, il faut le dire. Hein. Ça aussi, ça a fait très mal au Rwanda, au point qu'aujourd'hui, la baisse de la production est là. Mais maintenant, ce qui est bizarre, c'est que leur télévision nationale, et finalement, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et c'était rapidement... récupérer. Ils disent non, c'est parce qu'il y avait pandémie. Mais on dit non, il n'y avait pas pandémie pendant cette période. Mais ben, s'il y avait pandémie, mais que ça remonte alors parce qu'il n'y a plus pandémie. Je vous dis franchement, pourquoi ça remonte pas, cher Christian, je vous dis franchement que les Kitsers qui étaient allés vers le Rwanda dans les années 2000, disons, commencent à revenir vers la RDC. Certes, c'est un combat de tous les jours. Nous ne sommes pas encore au bout de ces combats, mais nous allons y arriver. Est-ce que Gauthier, on termine avec vous, est-ce que le Kagame ne perd pas la pédale finalement? Est-ce qu'il n'est pas en train de perdre la manche? Est-ce que les choses ne sont pas en train de lui quitter, de le quitter maintenant? Ce qui est vrai, il est en train de perdre petit à petit. Les choses sont en train de les quitter petit à petit. Il faut déjà suivre Pam quand il a tweeté sur ce qui s'est passé dernièrement avec les M23. Vous sentez qu'il n'est plus en total amour avec ses partenaires, Londres, les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne. Il y a quand même un peu de soucis. Parce que la réforme avec la Grande-Bretagne sur les immigrations, tout ça, ça a été bloqué. Donc personne n'en veut. Il y a un petit souci déjà. Et ici, c'est le moment maintenant à la RDC de jouer avec l'arrivée du roi. Parce que nous avions besoin aussi de sa voix au Conseil des sécurité. Tout ça, que la voix de la RDC soit portée à la diplomatie congolaise de jouer, de se plaindre vraiment au vrai sens du mot, de présenter les vrais problèmes du Congo pour que la Belgique puisse nous porter. Et quand on parle aussi de le premier ministre parle de deux pays, de se prendre en charge, en d'autres termes, il faut défendre sa souveraineté. Oui, donc on ne doit pas continuer à se plaindre, on doit commencer quelque chose et solliciter l'aide de l'autre. Donc moi je pense que c'est que le roi vient de faire. Hein, et rappelez-vous que sous Kabila, Kabila y a cherché ça plusieurs fois, que les rois viennent, mais ça n'a jamais été fait. Et donc, le fait de venir, je pense que c'est un message fort aux pays voisins, au Rwanda, et qu'on est quand même porté et qu'on veut repartir sur des nouvelles bases. Et cette fois-ci, on sera porté par nos colons. Mais j'ai failli perdre des vies. Bon, c'est dans le cadre des relations interparlementaires que le professeur Badi s'est rendu là-bas. À l'autre, à l'invitation qu'on lui a lancée par rapport à l'abattoir, c'est un abattoir qui abat environ 250 bêtes. Il voulait voir dans quelle mesure on peut reproduire des modèles ici, dans le cadre de la loi sur l'agriculture. Vous savez qu'il a présenté une loi sur l'agriculture au niveau. Il pouvait aussi s'inspirer de ce qui se passe là-bas. Mais le voyage n'a pas été fait fondamentalement pour aller juste... appuyer l'Ouganda par rapport à ses actions sulfureuses ici. Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Moi, je soutiens beaucoup. J'ai beaucoup de respect pour le président Bahati. Mais sur cette loi-là, soit le président s'est trompé, le président Bahati, soit il s'est trompé, soit il y a un petit problème. Puisque ça, on en parlera plus tard. C'est un grand dossier. Et je trouve que c'était génial d'en parler, mais il y a beaucoup d'incises. Soit le président n'a pas vu ça, parce que s'il l'avait vu, je crois qu'il allait laguer ça. Ou alors, il faut vraiment qu'on le regarde. J'ai failli aussi oublier. Donc, c'est une proposition de loi. La procédure législative. Je crois qu'il faut que ça prenne tout ça. N'a pas encore été. Il faut qu'on ne va pas être sur l'étage technique. J'ai failli oublier que Ngobila ne nous a pas permis, n'a pas permis au roi de visiter les grands marchés. Je pense qu'il était encore enfant quand son grand-père, c'est pas moi qui étais encore roi de la Belgique, qui dirigeait le Congo. Et il devait quand même aller aussi visiter les grands marchés. Nous sommes partis. Je pense que vous êtes journaliste. Vous pouvez descendre et toquer de l'autre côté là-bas et vous allez voir au Bichingo, que les travaux ont déjà débuté. Merci. En retard, mais quand même, nous sommes les délais qui étaient prévus. Que la Belgique puisse poser des gestes politiques dans le sens de revoir notre budget de coopération. Je pense que s'il pose des gestes politiques dans ce sens-là, ça paye davantage. Merci Freddy Mbomba, je rappelle que vous êtes cadre de FDC. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Gauthier Sey, vous êtes journaliste. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et merci également à vous. José Kaniki, vous êtes un haut cadre et porte-parole de ACP. Messieurs et dames, l'émission a commencé. Et puis après, l'émission a eu des moments forts où c'était chaleureux. Mais c'est exactement pour ça qu'une émission est faite. Et comme c'était la fin de la semaine... Eh bien, on vous a offert, mais on a atterri en douceur de toutes les façons, puisque le Congo reste notre dénominateur commun. Merci. On se retrouve très prochainement. Vous avez besoin de participer à cette émission. Le numéro est affiché au bas de votre écran. Envoyez-nous juste votre profil et nous allons vous appeler pour participer à ce débat. Mais ici, comme vous le savez, il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas d'invectives, il n'y a pas de provocation. Il y a des plateaux pour ça.
Mais en tout cas, ici, il n'y a pas de ces choses-là. Venez apporter votre parole, votre voix, votre version, votre manière de faire les choses en toute politesse, mais aussi en toute responsabilité. Qu'il y ait la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.